parler qui n'a pas Seigneur, merci pour ces bons moments par lesquels nous avons eu des grâces auprès de toi. Si tu as commencé à se souvenir de moi, Seigneur, dans l'état pour ce qu'on assiste à la mission, Seigneur, vous allez vous mettre pour la cause de la Koyama. Adoration, je vous invite à la mission. Mais tu avais.
les amis, c'est parce que c'est quelqu'un qui a apporté un plus dans ma vie. Par exemple, tout le monde va bâtir quelque chose dans mon monde. Et chaque jour, il n'arrête pas d'apporter quelque chose. Bien-aimé, tu es dans un bon endroit. Bien-aimé, aux gens ici, comme là. Tu es dans une église qui est bénie. Aux gens d'église, je suis dans la joie de voir cette église comme ça. Je suis vraiment heureux dans mon cœur. Quand je vois Dr Milton, je suis heureux. C'est l'un des rares personnes qui ont cru à mon ministère quand j'ai commencé. C'est parmi les rares personnes qui m'ont donné des bons conseils quand j'ai commencé le ministère. C'est-à-dire que, cher bien-aimé, tu es en ces lieux
Demain tu deviendras ministre de Dieu. Tu es entre les bonnes mains. Tu es entre les bonnes mains. Je veux qu'on célèbre cet homme, qu'on l'acclame, qu'on le célèbre. En fait, à l'église, nous sommes habitués à acclamer que Jésus. Or, les hommes aussi méritent d'être célébrés par rapport à ce qu'ils font. Par rapport à ce que Dieu fait à travers eux aussi. Par rapport à ce que Dieu fait à travers eux aussi. Amen. Amen. Je bénis Dieu. Pour maman Morena, une femme exceptionnelle. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Et j'ai venu Dieu parce que si elle n'était pas d'accord, je ne serais pas venu ici aujourd'hui. Et c'est une très grande responsabilité d'avoir la chair. Mais je sais que Dr Milton me fait confiance. Depuis longtemps, il n'a pas arrêté de me faire confiance. Depuis qu'elle a continué à toujours ressentir la confiance. Amen. Je suis content de revoir toute l'église. Certainement, il y a des têtes que je ne connais pas. Mais il y en a ceux que je connais. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue vraiment au nom de Jésus. Je suis en train de dire que je vous salue au nom de Jésus. Je suis pasteur Patrick, comme le docteur l'a signalé. Maman, j'étais prévenu. Est-ce que vous croquez jusqu'à la fin? On va essayer. Non, ok, que Dieu te fasse grâce. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Parce que par moment, je monte. Et quand je monte, tu dois être sensible pour me suivre. Et j'ai prié Dieu que tu arrives jusqu'à la fin. Amen. Papa, il y a un autre interprète aussi. Parce que peut-être qu'en cours de route, l'esprit peut la saisir. Peut-être que le saint te veut aussi. On continue au nom de Jésus. Donc, amen. Continue dans mon compagnie. Je suis pasteur Patrick, je suis marié. On connaît pasteur Patrick Abala. Cinq mères, père de cinq enfants. Papa Bana 5. Dites quand même un même mot. Amen. Vous ne venez pas content. Dieu vous est bénie. Amen. Amen. Et nous avons, Dieu nous a fait grâce de commencer un ministère, de commencer une église à Oulin. Et notre église s'appelle Emmanuel. Église, on a compris le mot Emmanuel. Et il n'y a pas longtemps que nous avons commencé. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de vivre la main de l'Éternel. Et je crois fermement dans mon cœur. Comme vous êtes en train de vivre la main de Dieu dans ces lieux. Moi aussi, je suis en train de vivre la main de Dieu dans ces lieux. Comme Dieu m'a amené aujourd'hui dans ces lieux aujourd'hui. Je ne suis pas venu seulement pour donner. Je suis venu aussi pour recevoir la grâce. Amen. Amen. Je suis content de voir cette salle comme ça. Voilà, je te dis au nom de Jésus. Parce que toi, tu viens dans une salle qui s'est transformée, qui est devenue belle. Parce que y a déjà des changer un peu comme qui ta vie aussi va se transformer comme cette salle. Oh, je me remercie Dieu pour la solubilité de cette salle. C'est lui qui n'est pas capable de remercier Dieu dans les petites choses. Il n'aura pas de grandes choses. Nous avons été capables de remercier Dieu dans les conditions qui étaient ici. Les conditions changent. Les conditions changent. Que ta vie change. Aussi. Vina, on peut changer. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler par la grâce de Dieu. Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Parce que beaucoup de gens se promènent dans la vie.
Mais dans les ténèbres. Mais quand dans mon lit. Mais toi tu ne seras pas dans les ténèbres. Mais yo ça dans mon lit. Amen. Amen. Je suis content de voir mon frère. Non, c'est moi comment on le frère à maman Morena. Ndeko ya maman Morena. Tu vois quand je l'ai vu prendre les photos, j'ai dit eh l'Éternel agit. L'Éternel a touché son cœur. Donc Dieu soit loué. Docteur Milton. Je ne sais pas, mais tu vas te rendre compte au bout d'un moment. Je t'avais dit ça l'autre jour quand on s'est vu. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre d'autres églises qui vont commencer à louer si toi tu vas ailleurs. Les membres vont commencer à te mettre mal à l'aise parce que le pasteur, le docteur, on commence à être mal à l'aise. Je suis en train de dire des choses qui contrarient les cœurs du docteur. Papa, on n'a pas le choix. Toi, on a choisi. On doit aller de gloire. Il faut donc que de gloire en gloire. Jésus, la lumière du monde. Yesu, polé à motif. Genèse chapitre 1er. Il est où, Fabien? Il est parti. Que Dieu soit loué. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons prendre place. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand il a créé les cieux et la terre, tout était en ordre. Tout était en place. Tout était normal. Tout était bien organisé. Tout était normal. Mais quand tu descends au verset 2, tu vas voir que la Bible dit, et la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel planait sur la face des eaux. Quand Dieu a créé sa terre, la terre n'était pas informée. Entre le premier verset et le deuxième verset, quelque chose était arrivé. Et l'événement qui était arrivé, c'est ce qui a créé le désordre sur la terre. En hébreu, le vide dont on parle, Tohu bohu. Je sais que je suis à l'église d'un docteur. Et le docteur enseigne l'église. La plupart des choses que je vais dire aussi, je sais que vous le connaissez. Le tohu bohu en français. Veut dire désordre. Veut dire confusion. Veut dire erreur. Veut dire la mort. Veut dire la confusion. Le tohu bohu veut dire. Inhospitalier. Ah, je t'avais prévenu. Inhospitalier, c'est-à-dire là où on ne peut pas vivre. Voilà, là où il ne peut plus y avoir de vie. Tohu bohu veut dire agitation. Amen. C'est-à-dire entre le premier verset, et le deuxième verset, quelque chose est arrivé. Et a créé les tohu bohu. Maintenant, quand tu vas au verset 26, tu vas trouver, la Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Il dit, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer. Et puis, à dominer les corps de la mer.
Yamal, sur les oiseaux des cieux, Ikolona Bandeke, et sur les détails, Pelikona Bandiyama, et sur toute la terre, Pelikona Mabele Nyoso, et sur tout ce qui rampe sur la terre, Pena Nyoso etambula kana Mabele. Verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Nzambe akeli mutu na image na ye. Et il le créa mâle et femelle. Pe akeli mwana mobali pe mwana mwasi. Frère bien-aimé. Bien-aimé. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il le créa homme et femme. Il lui a donné le pouvoir de dominer sur les poissons. Maintenant, regarde Jésus-Christ sur la terre. Quand Jésus était sur la terre, il avait le pouvoir de dominer sur les poissons. Parce qu'un jour, on est venu lui dire qu'il faut qu'il paye l'impôt. Parce que il a dit, allez dans la mer, prenez un poisson, ouvrez sa bouche. Sortez l'argent à l'intérieur, payez l'impôt. Un jour, il s'est retrouvé avec les disciples. Les disciples avaient cherché les poissons toute la nuit, ils n'ont pas trouvé. Mais quand lui a donné l'ordre aux poissons de venir dans le filet, les poissons sont entrés dans le filet. Et là où ils avaient échoué, parce que celui qui était à l'image de Dieu était là, il a donné l'ordre. Et les poissons ont excédé. Ils ont exécuté l'ordre. Amen. C'est cette image-là que Dieu nous a créé, toi et moi. Et ça, image, on a dit ça. Bon, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il dit Christ est l'image de Dieu invisible. Bible dit Christ est Aza, image de Dieu invisible. Christ est l'image de Dieu invisible. Christ est l'image de Dieu invisible. Toute la création. Ça veut dire Adam, dont on parle dans le livre de Genèse, a été créé à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand il dit créer l'homme à notre image, il a dit j'ai créé l'homme pour qu'il domine, pour qu'il soit tout ce qu'il a dit autour de l'homme. Okay. Tout ça, on a trouvé ça chez Jésus quand il était sur la terre. Dans Colossiens, on dit Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Donc, Adam a été créé à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avant que Adam ne soit créé, Jésus était déjà. Parce qu'avant Adam, que la maïe soit déjà. Donne-moi un bon amen. Amen. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Et puis, j'ai dit entre le premier verset et le deuxième verset, quelque chose était arrivé. Avant que le verset il soit arrivé, balé l'homme moins salamaki. Avant que le tohu bohu ne vienne. Avant que tohu bohu aya. Quelque chose était arrivé. Et l'homme moins salamaki. Frère, c'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme. Et l'icolo Adam monzam bakeli moto. Il avait créé l'homme. L'homme était beau. L'homme était normal. À quel âge moto azala est kito ou azala est normal? L'homme n'avait pas de péché en lui. Moto azala qui n'a pas soumuté katina. L'homme n'était pas désordonné. Moto azala qui n'a désordre était mobulu te katina. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans les livres d'Apocalypse 12:12. Là ok na, sur quoi t'as mis Apocalypse 12:12? La Bible dit. Bible lobby. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Yango likolo et osepela. Et vous qui habitez dans les cieux. Et bino ofanda kana likolo. Malheur à la terre et à la mer. Mawana mabele pe mai. Car le diable est descendu vers vous. Pour être Satan a donc quitté pas et pas la bino. Animé d'une grande colère. Azana kanda makasi. Sachant qu'il a peu de temps. Ayebi ki atikali na tami kité. Voilà le mot malheur. Malheur veut dire désastre. Malheur, c'est une grande mauvaise chose. Malheur, c'est comme la tsunami. Vous connaissez les tsunamis? Est-ce que vous avez vu tsunami? Quand les tsunamis ont frappé un pays, d'accord, tsunami frappe à Mboka. Le pays était normal. Mboka ouais, ça qui normal. Mais après les tsunamis, mais après tsunami, les choses sont devenues sans ceci, dessous. Makamonyo soeche les angakasans. Tout est devenu en désordre. Makamonyo soeko makamobulu. Parce que les tsunamis.
passé parce que ton ami est les quatre lois. C'est la même chose avec ce qui s'est passé avec la terre. Quand les diables étaient descendus sur la terre, parce que lui dans sa nature c'est le désordre. Parce qu'il est déjà dans le lengue naïe, parce que lui c'est quelqu'un qui craint le désordre. Parce qu'il y a déjà dans le lengue naïe, parce que lui c'est quelqu'un qui craint le désordre partout. Parce qu'il y a un moto qui est la partout ici qu'elle est. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui amène la paix dans la vie des gens. Parce que tout le monde croit qu'il y a un moto qui est la quand il ira quelque part. Parce que quand le diable entre, parce que tant que Satan a côté, il a créé le désordre. Il a commencé de créer le désordre avant que toi et moi viennent sur la terre. Abanda kotia mobulu avant que biso toya na mokili. Et même quand nous sommes venus, et même tant que toya, il a continué de faire. A continué pour ça la mobulu. Ça c'était le problème. Wana isali kampo, ça problème. Alléluia. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mais Nazan a sa maman là, moi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Nazan a sa maman là, moi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Nazan a sa maman là, moi. Mais le diable avait créé le tohu-bohu sur la terre. Même à ta Satan a sala qui mobulu na mabele. L'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus de lui. Moli mo nzambe banai kota mo le. Oh, le verset 2 le dit à la fin. Verset 2 le mina suka. L'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus de lui. Moli mo nzambe banai kota mo le nkolo na mali. Pour malgré que ça ne va pas. Même si elle a monté banai kota. Le Saint-Esprit est là. Moli mo santo ezali. Le Saint-Esprit. Moli mo santo azali. Frère, Dieu est toujours là. Nzambe aza toujours. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus. Même ils ont encore la grâce de recevoir. C'est pourquoi les démons ne pas celui qui ne connaît pas Jésus. Parce que tu ne sais pas, l'Esprit de l'Éternel est toujours disponible pour lui. Parce que la Bible dit, voici je me tiens à la porte. Et je crois. Tu crois qu'entendra ma voix. Il ouvrira la porte. Je dînerai avec lui. Jésus entre dans la vie des gens. Yesu akota kana bomo yaba. Si seulement la personne ouvre la porte. Soki moto wana fongoli porte. Amen. Amen. Mais le diable ne demande pas qu'on ouvre la porte. Mais Satan a senga ati ke ba fongoli la porte. C'est un homme violent. Aza moto moko ya mobulu. Et quand il entre créer les désordres. Mais akota ka atiaka pe mobulu. Mais le Saint-Esprit. Mais mon limo mo santo azawa. Vous savez quand le Saint-Esprit s'est mouvé sur l'eau. Tamo mon limo santo balego tambo la likolo na mali. C'est bien pour nous dire. Ezala epona ko yebisa biso. Même si le diable est descendu. Même si Satan a dit. Il y a toujours une solution. Amen. Solution est toujours. Frère, il y a toujours une solution. Solution est toujours. Même si la situation est très compliquée. Même si la situation est comme compliquée. Il y a toujours une solution. Solution est toujours. Il y a toujours une solution. Solution est toujours. Il y a toujours une solution. Solution est toujours. Vous êtes dans la joie de te dire. Nada de ce moi pour elle, il y a toujours une solution. Solution est. Il y a toujours une solution. Solution est. Il y a toujours une solution. Solution est. Il y a toujours une solution. Solution. Amen. Maintenant, quand tu vois au verset 3, la Bible dit dans le verset 3, la verset 3 et Dieu dit que la lumière soit. Dis avec moi que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Polé que la lumière soit. Polé quand il a dit que la lumière soit, polé la lumière est apparue. Polé ouais, la lumière est apparue. Polé la terre était informée vie. Ma belle mon qui les ala qui n'a pas vu. Il y avait l'abîme. Et ala qui n'a mon lili. Il y avait le ténèbre. Mon lili et ala qui la lumière n'existait pas encore. Polé et ala qui t'es. Oh j'ai dit la lumière n'était pas encore. Non non mais polé et ya qui n'a n'été. Mais elle existait déjà. Mais et ala qui déjà. Parce que quand Dieu dit que la lumière soit. Pourtant nous avons le but polé et ya. Ils n'ont pas dit que la lumière soit créée. Alors pas qu'il était que polé et ça le mal. Non il a dit que la lumière apparaît. Alors pas qu'il polé diman. Ouais. La lumière apparaît. Ah, et quand la lumière est apparue, et dans le pôle est
ténèbres est parti. Les ténèbres ont disparu. Les ténèbres ont fui. Les ténèbres n'est pas fort. J'ai dit les ténèbres n'est pas fort. La lumière est plus forte que les ténèbres. Comment il s'est fait que le soleil n'était pas encore créé? Mais la lumière était là. Mais il s'agit de quelle lumière? Mais quand je suis maintenant allé dans le deuxième récit de la création. Parce que dans la Bible, il y a deux récits de création. Parce que dans la Bible, il y a Genèse chapitre 1. Jean chapitre 1. Les 6 versets. Avant Genèse chapitre 1. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Les bandelia ou aquela qui m'occupe. On est en train de parler de la parole qui a fait que la création existe. Par exemple, la liloba ou est celle qui est évoquée. Est-ce que vous me comprenez? Dans Jean chapitre 1, on dit. Au commencement était d'abord la parole. Au commencement, ce n'était pas les cieux et la terre. Cette parole-là était avec Dieu. Et cette parole-là est sortie de Dieu. Et quand elle est sortie de Dieu, elle est restée toujours Dieu. Et on dit tout a été créé par cette parole-là. Mais quand tu descends verset 6. Verset 4 plutôt. Verset 4. Il dit la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Là, je commence maintenant à comprendre d'où vient cette lumière dont Genèse chapitre 3 est en train de parler. Et si quand on est à comprendre qui est si calé ni polé au Genèse, c'est ma le donne-moi mon amen. Amen. Il dit elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tu vois où Genèse chapitre 3 trouve l'explication. Donc la lumière qui est apparue à cet temps-là. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Il était Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. La lumière qui est apparue à l'homme. Aujourd'hui, tel que nous sommes en cellule, si on était les lumières, on ne pourrait même pas circuler dans la salle. Même les cultes de l'homme ne pourraient pas les faire. N'est-ce pas? Amen. On va dire, on va allumer la lumière. Sinon, nous sommes perdus. Parce que la lumière, j'ai dit, mais tout est pour lui. Ça veut dire que ça crée un endroit où on ne peut pas vivre. Mais quand il y a la lumière, on peut vivre là. On peut rester là. Parce qu'il y a la lumière. Quand la lumière arrive, tout s'arrange. Je déclare dans ta vie. Nebo. Jésus est apparu. Tous les hommes
de qui était sur la terre est parti. Tous les désordres étaient partis. La Bible dit il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait fait dans cet état-là, il n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Malédiction de la loi. Frère, toute malédiction est tombée au nom de Jésus. Toute malédiction est partie au nom de Jésus. Toute malédiction est partie au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce jour-là, quand Jésus apparaît, la lumière a fait fuir les ténèbres. Frère, beaucoup de gens sur la terre, ils sont en train de mener une vie compliquée. Compliquée. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Parce que bazana katia olivi. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Bazana polete kati na bango. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Parce que bazana polete kati na bango. Quand tu vas dans Jean 8:32. C'est bon qu'il y ait dans Jean 8:32. Jésus est en train de dire. Yes, oiseau local. Vous connaîtrez la vérité. Vous voyez ma solo. Et la vérité vous affranchira. Solo est au cango la bino. Non, la vraie liberté c'est pas dans les lois. Oh, au cango la mais solo ça la magana molilité. La vraie liberté c'est dans la lumière. Au cango la mais solo ça la magana. Parce que le diable travaille là où il y a les ténèbres. Parce que Satan a ça la que si comme Olivier Zali. Vous savez pourquoi il travaille dans les ténèbres? C'est parce qu'il est dépouillé. Parce que Azamoto Bayomi Sali Soli. J'étais en train de dire. Le diable est d'accord que tu sois dans les noirs. Satan a ça d'accord que vous en avez Lili. Parce qu'il sait. Parce qu'Ayemi. Que lui là. Yeah. Il ne travaille que dans les noirs. Azala Kaka dans mon Lili. Maintenant pourquoi il travaille dans les noirs? Parce qu'il n'a pas des amis. Parce qu'Azana il a pas de. Il n'a pas d'armes. Parce que la Bible dit qu'il a été dépouillé. Oh, quand il a fait chuter l'homme dans Genèse chapitre 3, l'homme a été dépouillé. L'homme n'avait plus des armes. Mais quand Christ est venu, il est allé à la croix. Il est mort à la croix. Il est entré sous la terre. Trois jours après, il était ressuscité. Il a dit qu'il a pris le diable. Il a enlevé les garrots du diable. Il a ôté toute l'autorité. Il a traîné par terre. Aujourd'hui, toi, tu ne dois pas être assujetti par les diables. Tu sais pourquoi les enfants ne sont assujettis par les diables? Alléluia. Mais quand tu vis dans les ténèbres, tu es en train de donner la puissance au diable. Pour qu'il te frappe. Pour que abeta yo. Pour qu'il te frappe. Pour abeta yo. Frère, je te dis la vérité. Ne connais rien sur vérité. Je suis allé un jour. Yes, tu as le même pour le monde. Le prince de ce monde vient. Prince Yamokilbo ya Koya. Mais il n'y a rien de lui en moi. Mais l'homme au côté a Yesa Katina. Il n'y avait aucune ténèbre dans la vie de Jésus qui donnait accès au diable. Mais quand un enfant de Dieu marche dans le péché, quand tu vis dans le péché que tu considères petit, oh, la Bible dit, le diable est rôde. Satan a zozi, il cherche seulement une vie. Azoluka, toujours vie pour entrer. Pour akota. Et quand il entre, Jean 10, 10 dit, le diable ne vient que pour dévorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la lumière de Jésus. Moi, dans un moment, nous sommes appelés à Jésus. Nous ne sommes pas appelés à marcher dans les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas notre chemin. Notre chemin, c'est la lumière de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui vit dans le péché. Ne marche pas dans la lumière. Attends la canapolité. Ne marche pas dans la lumière. Attends la canapolité. Il n'y a pas de petits péchés. Tout péché est péché. Tout péché est péché. Tout péché t'amène à l'enfer. J'étais en train de dire que le diable travaille dans les noirs. Parce qu'il est sans armes. Et il sait que quand on arrive dans la lumière, nous allons voir qu'il est sans armes.
Frère, on était les lumières. Quelqu'un entre là-bas, il dit, j'ai une arme avec moi. Si tu fous cette main, j'ai je te tue. Frère, nous n'allons pas bouger. Parce qu'on ne le voit pas. Parce que tout le monde a été. On attend seulement la foi. Mais si on allume la lumière, pas. Mais si on pélisse mine. Nous nous rendons compte qu'il n'a pas d'arme. Qu'est-ce que nous allons faire? Et là on dit ça. C'est nous qui allons mener les poursuites. C'est lui qui va fuir. Enfin, c'est la même chose avec le diable. Quand Jésus vit dans ton cœur, si la parole de Dieu est dans ton cœur, tu auras la possibilité d'allumer la lumière pour voir les diables. Tu auras la possibilité d'ouvrir d'éclairer ta vie pour voir. Ça, c'est le diable. Si Jésus Christ est la lumière, entre dans ta vie. Voilà la première place. Il va éclairer ta vie. Au point que, si, quand les diables vont vouloir faire les manipulations, tu vas les voir clair. Tu n'auras même pas besoin d'un prophète. Toi-même, tu vas les voir. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu met à nu les œuvres du diable. N'est-ce pas que le Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable? N'est-ce pas que la Bible dit quand Jésus est apparu, les ténèbres n'ont pas supporté? Est-ce que la Bible dit que quand Jésus est apparu, les supporta? Maintenant, il dit dans sa parole, tel est tel nous sommes. Jésus qui a éclairé le monde dans le livre de Genèse. Aujourd'hui, il vit en toi. Il vit en moi. Sous forme de l'esprit. Par le Saint-Esprit. Il vit en toi, il vit en moi. La Bible dit, celui qui est en Christ. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles, c'est l'amour. Les choses nouvelles, c'est l'amour. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est la joie. La lumière, c'est l'humilité. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est l'amour. Un enfant de Dieu qui marche dans la lumière de la parole de Dieu, on le reconnaît par l'amour. Frère, tu peux donner des millions comme tu veux. Mais si tu ne marches pas dans l'amour, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es en train de marcher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous ne sommes pas appelés à marcher dans les ténèbres. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Aujourd'hui, je ne veux pas parler que nous sommes la lumière du monde. Non, ça vous le connaissez. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que c'est la lumière. Tu vas marcher dans les ténèbres. Maintenant, celui qui marche dans les ténèbres, il lui fait beaucoup d'accidents. Vous allez remarquer, un chemin peut être, s'il y a la lumière, tu peux faire seulement 2 secondes, tu arrives.
Mais parce qu'il n'y a pas la lumière, mais ce qui peut les aider, tu vas en dandona. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens dans ce monde-là. Nous sommes tous dans le même pays, non? Tous dans le même pays. Nous sommes tous régis par la même loi. Mais moi je vis bien. Toi tu vis mal. Comment tu expliques ça? La loi est pareille pour nous tous. Mais moi je suis en train de réussir. Toi tu es en train d'échouer. Comment tu expliques ça? Des gens qui marchent dans les ténèbres, ils font des accidents. Partout dans la ville. Vous savez pourquoi l'homme blanc a mis la lumière sur les routes? Vous savez pourquoi il a mis la lumière, même les phares et les voitures? Pour que tu voies bien. Alléluia. Amen. Pour que tu voies bien. David dirait un jour. David a l'obat qui me colle. Dans Psaume 119. Dans Psaume 119. 105. 105. Il dit ta parole est une lampe. Alors qu'il l'obat n'a eu un bruit dans la main. Oh, j'aime ça. Parce que Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Parce que Jésus aussi avait nommé l'obat dans les âmes. Parce que Jean a dit au commencement était la parole. Parce que Jean a l'obat des bandes les âmes qui l'obat. Et cette parole a été la lumière. Et l'obat des âmes qui polait à bas. Et David a dit ta parole est une lumière. Une lumière, une lampe sur mon chemin. Frère, sans la parole de Dieu, sans la parole de Dieu, tu échoues. Sans la parole de Dieu, tu es candidat à l'échec. Ceux qui sont appelés à réussir, c'est des gens qui marchent selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Josué avait écouté cette parole. On lui avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais si on comprend bien la parole, le livre de la loi dont on parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le livre de la loi, c'est Jésus parce qu'il est la parole de Dieu. Quand on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point, ça veut dire pour que tu vives dans la lumière. Attache-toi à la lumière. Mérite les jours et nuit. Mais surtout en ces siècles, nous avons des difficultés. En ces siècles, nous avons des difficultés. Facebook matin, midi, soir. Facebook tombe midi, pour WhatsApp matin, midi, soir. WhatsApp tombe midi, pour où est la place de la parole? Moi, je place à l'île de la. Quelle place y a Jésus? Frère, vous voyez la lune? Au moins il s'enza. La lune éclaire la nuit parce qu'elle prend la lumière du soleil. S'enza engendi sakana butu pour te zwa kamu pole ya moi. Donne-moi mon amen. Amen. Les jours où les lunes, la lune va refuser de prendre les rayons solaires. Bon, moi je vous colle au s'enza pour boya pour zwa pole ya moi. Quand il va faire la nuit, t'as pour butu boya. Et il va même pas éclairer. À vous pour on ne peut même pas le voir. Donc au moins parce que sa lumière n'est pas de la lumière du soleil. Parce que pole na ye. Oh Jésus, on appelle le soleil vivant. Jésus va réussir. Yes, si tu veux réussir, so que les gens soient là. Accroche-toi celui qui a réussi. Accroche-toi celui qui a réussi. Tu veux mener une vie éclairée. Oh, la vie, oh, engenga. Attache-toi à la lumière. Donne-moi mon amen. Amen. Attache-toi à la lumière. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais pour arrêter là. Mais pour la souka. Quand je méditais, quand je préparais le message. Dieu m'a donné une prophétie pour cette église. Esaïe chapitre 9. Esaïe chapitre 9. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie que Dieu m'a donnée pour cette église. Esaïe chapitre 9. Que ceux qui écrivent, écrivez là. Au temps fixé, ces choses arriveront. Ces choses n'arriveront pas seulement à l'église. Ces choses arriveront aussi dans ta vie. Ces choses arriveront aussi dans ta vie. La Bible dit dans le verset premier. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Où il y a maintenant des angoisses?
Écoute maintenant ce qu'il dit. Il dit si le temps passait. Si le temps passait. Ont couvert le propre. Et ont dit ça qui mais les temps à venir. Mais maintenant, oh, je peux y aller. Découvrirons des gloires. Je suis en train de voir un peuple nombreux. Je suis en train de voir un peuple nombreux. Parce que c'est une prophétie pour cette église. Parce que la prophétie pour l'église. Je prie pour une stérile dans ces lieux. Ou un homme stérile. À l'église qui n'a pas encore d'enfant. L'église, qui n'a pas encore d'enfant. Ah, on a des enfants dans mon atelier. Venez, je vais prier pour vous. Voyez, on a un de la bonne. Vous n'allez pas avoir des enfants dans le désordre. Vous n'aurez pas des enfants dans le désordre. Vous allez vous marier. Et vous aurez des enfants. Tu n'as pas dit amen? Amen. J'ai dit vous allez vous marier. Et vous aurez des enfants. Personne d'entre vous ici n'est stérile. N'est stérile. J'ai dit personne d'entre vous n'est stérile. Vous tous vous êtes féconds. Vous allez avoir des enfants. Au nom de Jésus. Vous aurez des enfants. Au nom de Jésus, vous aurez des enfants. Il dit, tu rends le peuple nombreux. Vous allez avoir des enfants. Mais vous allez d'abord vous marier. Je suis clair dans ce que je viens de dire. Maman, tu vas te marier. N'oublie pas mon invitation. Et dans les jours à venir, vous aurez des enfants. Votre papa tiendra vos enfants. Papa n'a vous voyez la sécrétion de vous. La Bible dit au commencement, Dieu créa tout par la parole. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la femme. La Bible dit que les enfants sont au pouvoir de la femme. Nous disons, Tolomi, vous aurez des enfants. Vous ne serez pas stériles. Comme vous êtes là, vous êtes l'image de cette église. Cette église ne sera pas stérile. Cette église aura beaucoup d'enfants. Au nom de Jésus. Prenez place, s'il vous plaît. Dengue baganga katan bozo partage bozo kabo la biloko. Frère,
dans cette église, l'église où il y aura des cris de joie. Il a dit dans le verset premier, si les années passées ont couvert cette église des monstres, je ne sais pas quel scandale est arrivé dans cette église. Mais je vous dis, ce scandale-là est passé. Scandale, alléluia. Amen. Les jours qui suivront vont amener la gloire. Je ne sais pas quel tourbillon le diable a installé. Mais je prie pour toi aujourd'hui. Les jours qui vont venir après vont amener la gloire dans ta vie. Il dit que quand on se réjouit à la moisson, ceux qui basent au bouca. Cette église a fait un temps de semences. Église Oyo, ça va quitter un colonne. Je viens décréter la saison de moisson dans cette église. Vous allez faire la moisson dans la joie. Vous allez récolter dans la joie. Retenez bien cette prophétie. Il dit au verset 4. Car les jougs qui pesaient sur lui. Les bâtons qui frappaient son dos. La verge de celui qui l'opprimait. Tu les brises. Tu pleures dans ta chambre, tu n'as pas le courage de venir dire ça à ton pasteur. Parce que tu n'as pas le courage de l'exposer. Parce que tu n'as pas le courage de l'exposer. Mais dans ta chambre, tu pleures. Mais dans la chambre, non, les lacs. Je ne veux pas que tu passes devant. Je ne veux pas. Parce que déjà, tu le caches. Parce que déjà, bon, bakamo. Cache ça. Bon, bakamo. Mais je prie pour toi. Mais dans un bon de la peau, na yo. Les jours qui pèsent sur toi. Qui l'ont raison pèsé les colonnes yo. Marocha Bayani Rabashike. Je vais prier pour des gens dont les situations ont perduré. Un dossier qui perdure. Aujourd'hui, je suis venu avec la prophétie d'enlever les jougs. Parce que des fois, je vais prier pour les une situation qui a demeuré. Par problème aussi, tu as beaucoup prié. Au bon délit. Tu as beaucoup cherché la solution. Au longue solution. La solution n'est pas venue. Solution orientée. Aujourd'hui, le jour doit partir. Les lots qui l'ont allé faire. Parce que la Bible dit. Parce que Bible le dit. L'onction brise les jours. Onction est bouc et boucaka. L'onction brise les jours. Onction boucaka kilo. L'onction brise les jours. Ma foute est boucaka kilo. Viens, on va payer pour toi. Yaga na bon de la ponaïo. Après, si tu as honte. Après, ce que tu as sonné. C'est ton problème. Et ça, problème. Parce que moi, je vais prier. Les caligos sont en bonne de la porte. Parce que quand tu pleures dans ta chambre. Parce que dans le lard, la chambre. Je ne suis pas là. Nazarawana te. Quand tu te lamentes dans ta chambre. Dans le lard, dans la chambre. Je ne suis pas là. Nazarawana te. Mais je suis venu avec un message. Mais là, il y a un message beaucoup. Alléluia. Amen. Les prophéties dont j'ai cité ici, ça appartient à cette église. Ma profession n'attend qu'à la bonne église. Je vais prier pour cette église. Dans le monde de la bonne église.
entré dans une période où tu ne vas plus faire les efforts. Mais la solution arrive. Mais solution est parce que la lumière était apparue dans les ténèbres. Et la lumière a chassé les ténèbres. Tout problème qui te fait pleurer. Problème appartient aux ténèbres. Aujourd'hui, ces problèmes-là partent. Problème moi les ok. Ces problèmes-là partent. Problème moi les ok. Ces problèmes-là partent. Problème moi les ok. Ferme les yeux, je vais prier. Karamis, pasteur Robon de la Ponaï. Ferme les yeux, je vais prier. Karamis, pasteur Robon de la Ponaï. Maria Macheke, réveille à Nurochaka. J'ai prié Dieu. Que le jour soit brisé. Au nom de Jésus, que les jougs soient brisés, 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 que les malheurs tombent. Au nom de Jésus, que toujours côté imposé tombe, toutes les paroles mauvaises qu'on a prononcées sur ta vie. Ça a amené le ténèbre dans ta vie. Je déclare aujourd'hui que ces paroles sont annulées au nom de Jésus. Tu as beaucoup souffert de la honte de ta vie. Mais aujourd'hui, je déclare une nouvelle saison de gloire. Une nouvelle saison de joie. Une nouvelle saison de joie. Dans le nom de Jésus. Une nouvelle saison de joie. Une nouvelle saison de joie. Une nouvelle saison de joie. Et de gloire au nom de Jésus. Quand la souffrance est venue dans ta vie, personne n'était là pour t'aider. Mais je peux. Expérimente la main de Dieu dans ta vie. Expérimente la grâce de Dieu. Rabbi Ashayaman à la marche des rêves. Père, je prie pour toi. Merci, Père. Que ce pays merci. Soit favorable pour toi. Au nom de Jésus, que ce qui bloque les gens dans ce pays ne te bloque pas. Restons cette prière. Je dis que ce qui bloque les gens dans ce pays ne te bloque pas. Comment viens-je de prier pour toi? Maman, tu as beaucoup pleuré pour des situations que moi je ne connais pas. Et Dieu seul, ton Dieu connaît. Aujourd'hui, je viens de déclarer une nouvelle saison dans ta vie, une saison de rire. Tu ne pleureras plus. J'arrête les larmes de tes yeux. Tous les combats de ta vie tombent. Tout ce qui a établi des hôtels pour combattre ta vie, il tombe. Et ces problèmes-là mourront, toi tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu te donne ce que ton cœur désire et que les jours soient brisés. Personne ne viendra détruire ta vie. L'homme de Dieu a dit, ta vie ne sera pas détruite. Au nom de Jésus. Tout ce que j'ai touché peut rentrer. Moi, je prie pour toi. Que Dieu t'enlève la honte. Que Dieu brise le malheur. Que Dieu brise le malheur dans ta vie. Que Dieu brise le malheur. Que Dieu brise le malheur. Au nom de Jésus. Une nouvelle saison de gloire. Une nouvelle saison de paix. Maman, je ne sais pas, quand je prie pour toi, Dieu me demande de prier pour toi pour la paix. Que Dieu donne la paix dans ton cœur. Que Dieu donne la paix dans ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui tourmente ton cœur, mais que Dieu te donne la paix. Y a-t-il quelque chose qui se passe dans la vie de tes enfants qui te fait pleurer? Maman, y a-t-il quelque chose qui passe dans la vie de tes enfants qui te fait pleurer? Est-ce qu'il y a les cambouilles, les canabiens, les canabiens? Allez, tu
prie pour tes enfants. Je prie au nom de Jésus que ces problèmes qui dérangent la vie de tes enfants les lâchent. Au nom puissant de Jésus, que cette situation qui dérange la vie de tes enfants les lâche au nom de Jésus. Expérimente la paix de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maman, j'ai prié pour toi. Si je voulais, je pouvais rentrer. Tu vois dans cette famille, toi, tu ne seras pas celle qui porte la honte de la famille. Je l'ai dit au nom de Jésus. Tu ne porteras pas la honte de la famille. Il est où ton mari? Il est où ton mari? Il est où ton mari? Il est où son mari? Il n'est plus. Il n'est plus. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il ne fait pas cette église. Tu es toujours avec lui. Église, vous n'avez jamais vu son mari? Non, bon, non, mon père n'a été. Non, hein? Déjà, non? Vous avez déjà vu, non? D'ailleurs, bon, non, mon père n'a été. Pas encore, hein? Non, non, tu. Donc, toi, tu viens à l'église, lui ne veut pas venir à l'église. Il y a une courrier église, tu. Mon cœur n'est pas tranquille par rapport à ton mariage. Bon. Tu vois, quand je disais, il y a quelqu'un qui pleure dans sa chambre, mais il ne veut pas dire ce qui se passe. Mon Dieu me disait que c'était toi. Mais non. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler des problèmes des gens devant les gens. Mais j'ai prié pour toi. J'ai dit, tu ne seras pas la risée de cette famille. Tu ne seras pas la risée de cette église. L'Éternel entre dans ton problème et il intervient pour ton cas. Je te donne juste une seule recommandation. Tous les mois, je dis bien, pendant qu'une offrande vient donner à ton pasteur qu'il prie pour toi, tous les mois, même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros, je m'en fous, amène ça chez lui, dis-lui, prie pour moi. Si tu es en conflit avec ses papas, si son cœur n'est pas bien maintenant par rapport à toi, réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi avec lui. Si même il t'a dit des choses, il t'a fait des choses qui t'ont fait mal, réconcilie-toi avec lui. Et tous les mois, mène-lui une offrande. Cette offrande-là, tu vas le donner pour ton mari et pour tes enfants. Depuis que tu es parti, il est vivant. Je suis en train de parler à son esprit. Là. Il ne va pas comprendre comment un jour il va venir à cette église. Tu vois qu'aujourd'hui, comment j'étais surpris de voir les frères ici. C'est comme je serais aussi surpris le jour où je verrai. J'ai vu une fois le jour où il est venu pour te prendre. La seconde fois, je le verrai ici dans cette église. Amen. 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 Ça dit que tout le monde ici peut partir à leur maison tranquillement. Mais toi, tu dois te souvenir qu'aujourd'hui, Dieu avait envoyé un prophète dans cette église. Mais il faut qu'on s'en partie d'un prophète dans l'église. Amen. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse. Amen. Total. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Amen.